Belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, donc voilà, je suis bientôt rentrée, mais pas maintenant, mais très bientôt. Donc, je voulais quand même vous faire une guidance. Voilà, je voulais quand même faire une guidance du week-end. Alors, j'ai oublié juste mon micro, donc j'espère vraiment que ça pourrait, que ça pourra aller pour vous, que vous allez m'entendre. J'espère, en tout cas. Voilà, si ce n'est pas le cas, je suis désolée, c'est vraiment exceptionnel, hein, d'habitude, voilà, j'ai toujours mon micro, mais je l'ai oublié, du coup, voilà, donc j'espère vraiment que vous m'entendez, en tout cas, au mieux, sinon, n'hésitez pas à mettre même des écouteurs et tout ça, voilà, j'espère de tout cœur, en tout cas, aussi que la guidance va vous parler, d'accord? Alors, je vais utiliser donc mon oracle. Alors, sachez que mon oracle Obsidienne de Maria, j'ai pris Michael avec moi, bah oui. Voilà la protection contre le mal, évidemment, hein, l'archange Michael. Donc, l'Obsidienne de Maria, sachez que là, il est en précommande. Je le garde en précommande. Mais sachez que si tout va bien, si Dieu veut bien, que tout se passe bien, je devrais donc recevoir... tout lundi, hein, je vous l'avais déjà dit, hein. Et donc à partir de lundi, j'en aurai beaucoup, j'en aurai plusieurs en stock, donc il ne sera plus en précommande, mais il sera effectivement en commande normale, quoi. Voilà, hein, d'accord, ainsi que aussi l'oracle La Rose de Maman Marie, qui ne sera plus également en précommande pendant en tout cas le temps du stock. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez réserver, vous pouvez là dès maintenant, puisque il est là pour être réservé, hein. Les deux peuvent être réservés en précommande, mais voilà, sachez que si Dieu le veut, je vais recevoir tout lundi, ok. En tout cas lundi, je reste vraiment chez moi toute la journée jusqu'à ce que je reçois, voilà, mais j'ai bien eu le transporteur qui m'a confirmé que oui, il passera lundi, donc normalement tout devrait bien se passer. Donc voilà, hein, je voulais vraiment vous dire cela. Donc c'est 105 cartes pour celui-ci. Et la rose de Maman Marie, hein, donc l'autre oracle, c'est 65 cartes. Voilà, sinon les autres sont en précommande, à part le cœur de lune qui n'est plus en précommande. Voilà. Donc bah, écoutez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Merci du fond du cœur d'être là. Et on va commencer donc en faisant d'abord le tirage général pour ce week-end, pardon, avec donc mon oracle Obsidienne de Maria, puisqu'il faut savoir que c'est un tirage général au début, et après je vais approfondir au niveau sentimental et prendre aussi les tarots. Je les ai pris avec moi, hein. Donc voilà. Et puis cet oracle, c'est un oracle général, hein. Il y a de tout, hein, que ce soit financier, amour, etc. C'est 105 cartes pour qu'il soit le plus complet possible. En fait, je l'ai vraiment réalisé comme cela. Et aussi pour vous apporter une protection des énergies négatives avec l'obsidienne. Voilà. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. J'espère que je n'ai pas trop parlé en tout cas. Donc je fais le petit tableau. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous voyez, voilà, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie d'attendre, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo au début. Et puis c'est tout, quoi. Comme ça, ça vous empêche... je ne sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, c'est pour pas que vous puissiez, pour pas que vous attendiez. Alors oui, vous voyez, hein, de temps en temps, il y a un petit poil de chat, c'est normal, j'ai pris mon chat avec moi en vacances. Enfin, en vacances, en pèlerinage, c'est un pèlerinage. J'ai partagé quelques photos d'ailleurs sur la communauté, puisque j'ai fait une prière pour vous tous, pour vraiment pour toute ma communauté, hein. J'ai mis une neuvaine pour le déblocage en fait. Maman Marie qui défait les nœuds, donc c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une aide pour que tout ce qui bloque dans votre vie soit débloqué, soit dénoué avec l'aide de Maman Marie, et puis que l'archange Michael brise tout ce qui est négatif dans votre vie. Amen. Allez, c'est parti. Général.
Donc, énergie principale, nous avons attraction intense et guérison. Hein. Ouh, que c'est beau. Waouh, bah, écoutez. Donc là, on vous dit qu'il y a une très belle guérison au niveau d'un lien, là, en fait. Ouais, il y a une guérison au niveau d'un lien. Un lien, vous voyez, forever. donc ici, c'est vraiment au niveau de l'attraction. Vous allez, c'est comme si vous allez ressentir ce week-end une attraction intense entre vous et cette personne. Donc il y aura une guérison qui va se faire par le, j'ai l'impression, par le biais aussi de cette attraction. Hein. C'est comme si cette guérison allait vraiment vous aider à vous attirer l'un et l'autre de plus en plus fort, de plus en plus beau. Enfin, je ressens vraiment le mot beau, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est beau. Puis on voit ce couple, vous voyez dans la carte, on voit ce couple hein, qui est très, voilà, qui est beau, qui voilà, il y a une complicité, il y a quelque chose de très très beau. Puis là, on voit hein, la petite rose qui est là, hein, donc on voit bien que cette personne, ou peut-être vous, hein, ben, va vous offrir un cadeau, ou peut-être que vous, vous allez lui offrir un cadeau aussi, c'est possible, que ce soit réciproque, puisque c'est important que dans un lien, un couple, un lien, même une relation, même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, même amicalement et tout, c'est important qu'il y ait quand même le côté réciproque, c'est important. Hein, comme je disais dans la vidéo précédente, quand on dit que voilà, on donne pendant des mois, voire je sais pas moi, un an ou deux ans, et qu'on reçoit jamais rien, au bout d'un moment, on n'est pas bien, on est triste. Hein, je l'avais dit hein, dans la vidéo d'avant que voilà, ça serait vraiment hypocrite de dire moi je donne toujours et puis je reçois rien, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, on attend quand même quelque chose de la personne. C'est pas qu'on attend, mais on espère quand même que il y ait un retour, c'est normal, un geste, un petit geste, on ne demande pas un grand geste, mais un petit geste à la personne, parce que c'est normal, quand vous donnez toujours, c'est tout à fait normal. Donc c'est important que les énergies soient quand même entre donner et recevoir, pour que vraiment il y ait un équilibre, au bout d'un moment quoi. Je ne dis pas qu'il faut toujours donner et recevoir, non, mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un équilibre. Allez, on va découvrir les autres cartes, on a la distance. Hein, PS, I love you. Alors, voilà, regardez, déplacement, voyage. Oui, il y a une distance ici. Infidélité, alors là, on parle. Ok, qu'est-ce qui se passe? Accélération, rapidité. Ah, j'ai beaucoup de. Il y a quelque chose là, au niveau voyage, distance. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Déplacement, voyage. Il y a une distance. Par contre, on parle d'infidélité, on va aller voir pourquoi. Petit tracas. C'est peut-être juste tracassé, hein, peut-être que vous avez peur de cela. Réflexion, voyez. Donc c'est peut-être juste une réflexion, une peur. Regardez, infidélité, fidélité. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Infidélité, fidélité, c'est vraiment au même endroit en plus. Et une personne positive, stay positive. Ouais, reste positif. Ok. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Hein. Je pense que c'est vos peurs. Alors, on va quand même, bien sûr, aller voir. Hein. Et je vous dis, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau. On va voir ici, parce que là, vraiment, c'est incroyable. Infidélité, fidélité dans la même ligne, hein, dans la même rangée. J'ai mis l'ensemble, mais voilà. C'est important parce que... C'est important de voir ici, parce que vraiment, c'est bizarre. Alors, attendez. Je vais juste mettre mon encens ailleurs, là, parce que il est en train de m'enfumer. Alors... Infidélité, fidélité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle d'infidélité, de fidélité? Bah tiens, il y a les cartes qui sont parties. Emprisonnées. Vous voyez, je vous dis. Emprisonnées. Et il y a ces cartes-là qui sont tombées. Lenteur, trahison et aide. Vous voyez, en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que les choses se sont ralenties. C'est comme si entre vous et la personne de cœur... Ou peut-être aussi, par rapport à la relation, enfin, les relations que vous avez eues avant, il y a eu beaucoup de trahison, voyez. Il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont amené effectivement beaucoup de lenteur, hein, à cause hein, des trahisons que vous avez subies. Mais vous avez eu de l'aide. Alors, on va voir ici. Pour ça qu'on a la guérison. Hein. Je pense qu'en fait, vous allez réussir à pardonner. Alors, pardonner... ne veut pas dire revenir ou ne veut pas dire non plus oublier, pardonner, c'est tout simplement se libérer. Voilà, on accepte que il s'est passé ceci et cela.
et on se libère, c'est bon. On n'oublie pas, mais on se libère et on se sent mieux, on enlève un poids. Et c'est important pour pouvoir avancer. Sinon, on reste emprisonné, effectivement, hein, dans cette énergie d'infidélité, parce qu'on va toujours croire que la personne que l'on aime est infidèle et sera toujours infidèle. N'importe quelle personne que vous aurez dans votre vie, vous allez toujours avoir peur qu'il y ait une infidélité parce que vous n'aurez pas guéri de tout ce que vous avez eu avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est très, très important pour qu'ensuite les choses puissent s'accélérer, vous voyez, pour que tout puisse aller beaucoup plus vite, en fait, parce que là, il y a une lenteur par rapport à vous et cette personne à cause des trahisons. Alors, est-ce que cette trahison, c'est avec la même personne ou est-ce que c'était avec des personnes du passé, ça c'est vraiment à vous de voir selon votre, selon vous en fait, selon votre expérience, selon votre vie. Se voir et abondance. Donc là on a une abondance par rapport à se voir, donc par rapport à une rencontre. Donc là vous pourriez effectivement vous voir avec, une, avec cette personne de cœur et ce serait effectivement l'abondance. Donc les choses vont très très bien se passer. Et ça peut effectivement aussi, à ce moment-là, amener une guérison entre vous et cette personne. Par contre, là, on me parle d'une petite dispute, un petit désaccord avec une personne néfaste. C'est une amie ou un ami qui a des grands tracas, des grands soucis, qui est bloquée dans quelque chose et qui, du coup, va un petit peu vous embêter. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, laissez tomber, quoi. Voilà. Essayez de vous éloigner un petit peu, peut-être le temps que... ça aille mieux, hein. Enfin voilà, demandez-lui, par exemple, si c'est vraiment un ami proche ou une amie proche, vous pouvez lui demander, est-ce que tu as besoin d'aide, je suis là pour toi, mais si la personne se comporte mal et qu'elle n'accepte pas votre aide, à ce moment-là, bon bah c'est tout, hein. Ok, d'accord, bon bah je te laisse respirer pendant quelques jours, puis tu reviendras vers moi quand tu seras mieux, parce que moi je suis pas là, je ne suis pas là pour te, voilà, pour que tu te défoules, je suis pas un défouloir, voilà, je suis pas un défouloir. Alors, petit tracas à distance. Donc là, ça se peut que vous voyez les petits tracas que vous avez au niveau de l'infidélité, hein, la peur que vous avez par rapport à ça, crée effectivement une distance avec la personne de cœur. Donc là, vous avez besoin effectivement de repos. Hein, et puis on voit, la, on parle de sexualité au niveau du repos. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à ce niveau-là où voilà, vous avez besoin peut-être d'une pause, tout simplement. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin... bah, tout simplement de vous sentir mieux avant peut-être bah, de commencer à avoir une relation intime avec cette personne. En tout cas, on a la réflexion durant un voyage, un déplacement ici qui va vous apporter sérénité. Voyez, donc c'est bien, ça va vous apporter. Je sais pas si je mets les cartes au bon endroit là, que vu que je suis pas chez moi, donc c'est pas du tout pareil. Donc voilà, ça va vous apporter beaucoup de sérénité, pardon, surtout la nuit, vous voyez ici. Hein. Donc là, il y a eu une pleine lune aussi. Hein. Donc peut-être que ça, ça a éveillé en vous, effectivement, des choses que vous avez subies avant au niveau des infidélités, des trahisons, des mensonges, etc. Ça vous a éveillé certaines émotions. Parce qu'il faut savoir que la pleine lune éveille beaucoup d'émotions. Hein, et parfois même, on ne dort pas ou on dort très mal. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses que des fois, on a inconsciemment aussi pendant la nuit. Donc c'est peut-être ça aussi hein, qui a fait que... vous êtes senti un peu emprisonné là-dedans et donc il y a des émotions qui sont revenues, qui ont ressurgi, mais là par rapport à un déplacement ici ou un voyage, vous allez retrouver effectivement la sérénité parce que vous allez beaucoup réfléchir, méditer, et là on parle de demandes concrètes et sérieuses qui arrivent à vous, vous voyez, après ce repos. Mais il y a toujours hein, cette crainte de l'infidélité par rapport à cette demande qui arrive à vous. Donc là, il y a une demande concrète, sérieuse ici qui arrive. Mais on voit qu'ensuite, pardon, les choses vont s'accélérer. Parce qu'on parle d'une personne positive ici. Donc on a la destination. Vous voyez, on parle encore hein, de ce côté déplacement, distance. Ouais, c'est... Mais en tout cas, les choses vont s'accélérer. Et là, on a destination et on a mensonge. Alors, on va voir pourquoi on parle de mensonge. Astuce. Vous allez trouver une astuce, vous allez trouver une solution par rapport à un mensonge. L'impression de connaître cette personne depuis toujours. Hein, donc ouais, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Il y a un lien qui est très très fort, hein, ça c'est clair, entre vous et cette personne. Par contre, il y a toujours ce côté
mensonge, trahison, qui vous fait peur, on va voir. Manipulation, vous voyez ? Manipulation et renaissance. Donc ici, on est bien dans une renaissance par rapport à cette peur hein, d'être manipulé, cette peur d'être trahi, etc. Il y a vraiment une solution qui arrive à vous. Vous allez trouver une solution. Vous voyez, l'astuce, hein, c'est comme quoi vous allez trouver vraiment l'astuce. Vous allez trouver la solution pour sortir de cette manipulation mentale, en fait, quelque part, qui vous garde bloqué dans cette peur, en fait, d'être trahi ou qu'on vous mente, etc. Vous voyez, il y a cette transformation qui est là, qui arrive. Et je pense qu'ici, le fait de vous voir avec cette personne va vraiment apporter une grande guérison, une grande abondance et une grande attraction aussi. Alors, on va voir ici cette demande concrète et sérieuse. Vous voyez, j'ai la vitesse, encore une fois. Hein, on est bien dans la rapidité, la vitesse. Donc, on est bien ici dans une demande sérieuse et concrète qui va arriver très vite. TGV. Et là, on parle d'une tierce personne avec le téléphone. Donc, on est bien ici. J'ai quelqu'un d'autre aussi. Là, il n'y a pas que la personne de cœur. J'ai aussi une autre personne qui vient vers vous pour vous faire une demande concrète et sérieuse. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est en train de, vous voyez, floraison, printemps. On est bien là-dedans. Prière et demande. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est ici? C'est quelqu'un qui demande. C'est quelqu'un qui prie et qui demande hein, pour vous avoir dans sa vie à nouveau. La nature. C'est une personne qui va être beaucoup plus ancrée. Être près de la nature, se connecter à la terre. C'est une personne qui va être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable au moment où là, il ou elle viendra, donc ce week-end apparemment, vous faire une demande concrète. On parle d'une personne quand même de confiance ici. Et partir avec le cadeau. Donc là, moi j'ai une personne de confiance qui veut partir, c'est-à-dire qui veut venir. Qui veut partir de là où il se trouve, il ou elle, hein, pour venir vers vous. Et c'est un cadeau. Hein. C'est comme si elle voulait vous faire un cadeau. Et ce cadeau, bah, c'est « j'arrive vers toi ». « Je viens vers toi maintenant. Je vais, je sais pas, j'entends, je vais payer le billet, je sais pas quoi. Et j'arrive. Prospérité. Hein. Ah oui. Peut-être que c'est un cadeau avec l'argent, ou je sais pas. Peut-être... que cette personne veut vous offrir un voyage et du coup va vous envoyer de l'argent ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est possible, hein. Bon bref, en tout cas, bon, c'est possible. Parce que c'est bizarre quand même, ça parle de prospérité, tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt un cadeau qui est très très beau, un très très beau cadeau que cette personne va vouloir vous faire. Et là, on parle de la tierce personne qui est triste, qui est triste. Il y a une tristesse par rapport aux enfants ou aux adolescents ici. Cette personne est triste parce qu'elle est séparée. D'accord. Donc là, on vous parle en fait d'une tierce personne qui est séparée de son ou ses enfants. Ou qui est séparée de la maman des enfants. Il y a quelque chose qui se passe par rapport aux enfants ou adolescents. C'est quelqu'un qui est en train de vivre en tout cas un moment qui est triste par rapport à cela. Donc soit c'est une séparation vraiment au niveau des enfants ou adolescents. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que le lien est brisé ou qui sont carrément séparés. Ou alors, il y a une séparation d'un foyer qui amène de la tristesse. Ouais, gentillesse et sécurité. Et cette personne, en fait, elle veut venir vers vous parce que c'est avec vous qu'elle se sent en sécurité. C'est avec vous qu'elle ressent qu'en fait, elle peut vraiment... avoir confiance par exemple en vous, elle peut être stable avec vous, elle peut... Il y a une certaine sécurité, j'arrive plus à parler, il y a une certaine sécurité en votre compagnie, ou on... il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment ce côté avec toi, voilà, je suis sûre que tu es une personne gentille, je suis sûre que tu es quelqu'un de bien, et donc je veux revenir vers toi. Après c'est à vous en fait de voir, est-ce que vous acceptez cette tierce personne? Mais bon... J'ai l'impression que votre cœur est plus avec celui-là. Donc, voilà. Parce que là, c'est une tierce personne. Donc, c'est un ex ou une ex ici. Enfin, une autre personne, en tout cas, qui revient ici. Et là, on a cette personne avec qui
Voilà, il y a un lien déjà, hein, donc je pense que c'est la personne qui est vraiment dans votre cœur ici, avec qui il y aura une guérison, grâce au fait de se voir, de se rencontrer. Bon, on va voir maintenant avec le tarot. Quand on a beaucoup parlé de sentiments, hein, vous voyez, qu'après c'est général, mais bah, voilà, on ne sait pas ce qui va ressortir, hein. C'est toujours pareil, hein. On ne sait pas si... ce qui ressortira, ce sera plus le côté sentimental ou le côté professionnel. Ou, enfin voilà, on ne sait pas quoi. Donc on va voir le côté sentimental. Je vais prendre ce tarot, le romantique tarot. Ouais. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent pauvre, qui se sent, vous voyez, sans vous, il se sent pauvre quoi. Il ou elle. Hein, il n'est pas bien, elle n'est pas bien, elle n'arrive pas à avancer pour le moment. Ouais. C'est quelqu'un qui a porté un masque. Il y a une personne qui a porté un masque en fait. Et cette personne, elle a essayé de. En fait, le masque, c'était qu'elle a essayé de résister aux sentiments, à l'amour, en tout cas qu'elle avait pour vous. Elle a essayé de résister à ses sentiments. Elle a essayé de résister à. Du coup, elle a porté un masque en faisant croire que, par exemple, elle ne vous aimait pas alors que c'était faux. C'était clairement une illusion. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous regardait toujours, vous voyez. Cette personne vous regardait toujours de loin, vous admire. Vous voit comme vraiment une personne bah, très belle, très beau. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu, quelque part, vous garder dans sa vie, même quand vous n'étiez pas ensemble. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous voit très beau, très belle, etc. Qui veut vous garder absolument dans sa vie. Qui n'a pas du tout de... Je vois ici que vraiment c'est quelqu'un qui n'est pas du tout content, n'est pas du tout heureux là où il ou elle est. Hein, parce que voilà, elle sort des illusions ici. Elle sort des illusions. Actuellement, elle est en train de sortir en fait d'une grande, j'ai envie d'une grosse illusion sur ben, un lien qui n'est pas du tout, qui n'était pas du tout pour lui ou pour elle. Donc il y a bien une séparation. Et c'est pour cela qu'il ou elle va sortir du mode ermite, hein, en vous disant, vous voyez, qu'il n'est pas du tout heureux dans son foyer ou dans son couple. Voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi on veut vous parler de cette autre personne hein, qui se sent pauvre sans vous, qui était dans l'illusion de croire qu'il pouvait en fait vivre sans vous alors que c'était faux. Du coup, il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui n'a pas bougé. Hein. C'est quelqu'un qui ne bougeait pas, qui ne bougeait jamais, qui n'a pas... Voilà. Et puis là, maintenant, bah, cette personne, avec ce déclic, entre guillemets, bah, c'est ça en fait, hein, c'est un gros déclic. Grâce à ce déclic, cette personne en fait va vouloir vraiment faire des efforts positifs pour vous. Voilà. Et il va trouver comme une sorte de dynamisme pour faire cet effort positif vers vous et vous parler, vous dire les choses qu'il ou elle ressent, de dire vraiment ce qui se passe dans sa vie, que son... Voilà, que son foyer est détruit ou son couple est détruit. Il se rend compte vraiment qu'il était dans les illusions, qu'il y a vraiment un gros déclic sur le fait que bah ouais, j'étais dans l'illusion totale de croire que ce n'était pas toi, mais que c'était elle ou lui. Donc en gros, moi j'ai quelqu'un ici qui a fait le mauvais choix. Qui a fait clairement un mauvais choix entre vous et une autre personne. Voilà, l'impératrice, vous voyez. Cette personne se dit, bah voilà, en fait, depuis le début... c'était elle ou lui, mon impératrice. Par contre, vous, vous aurez beaucoup de peur. Hein. Quand cette personne va venir, ça va vous faire... Ça va vous mettre dans des pensées assez négatives. Vous aurez quand même assez peur. Ouais, effectivement. Parce que peut-être que... bah, comme je voyais tout à l'heure, il y a deux personnes, en fait. Vous avez la... l'autre personne qui revient et l'autre personne aussi avec qui il y a un lien très fort et avec qui il va y avoir une guérison. Voilà. Bon, j'ai l'impression ici que vous aurez peur, justement. C'est comme si vous aurez peur de perdre... C'est bizarre. C'est comme si vous aurez peur de perdre un des deux. Une des deux personnes, en fait. Ouais. Parce que vous savez que là, vous allez devoir faire un choix. Là, ça sera... très important de faire un choix avec votre cœur, avec sincérité.
parce que vous êtes une personne sincère, vous êtes une personne aussi généreuse, fidèle, etc. Et donc, vous savez qu'à ce moment-là, au moment où tout ça arrivera, là, bah, vous allez savoir qu'il faut faire un choix. Et ça va vous... Bah, ça va vous mettre quand même des peurs. Hein. Des peurs que peut-être que là, maintenant, vous ne pensez pas avoir. Mais en fait, si. Vous aurez peur et vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais vraiment? Qu'est-ce que vraiment mon cœur me dit de faire? Est-ce que vraiment mon cœur va vers lui ou vers l'autre? Vous voyez? Donc là, ça sera vraiment un moment très important où vous allez devoir vraiment bien méditer et réfléchir et prier. Voilà, ça dépend de votre croyance, hein. Mais prenez le temps pour vous, même quelques jours, uniquement pour vous, afin de bien demander et de bien, bah, par exemple, être demandé à être éclairé sur la décision, sur le choix. Parce que là, j'entends parce que c'est la décision de votre vie. Ça sera la décision de votre vie, en fait. Donc là, on a les barrières, le mur là qui s'effondre, et on a des regrets. Pourquoi? Ouais, vous voyez, c'est cette personne encore qui regrette d'avoir fait le choix, d'avoir fait le mauvais choix. Oui, il y a un homme et deux femmes. Pour moi, c'est cette personne, hein, qui a fait le mauvais choix, qui regrette et qui aujourd'hui a vraiment l'espoir avec l'étoile. Et ben voilà. Vous voyez? Cette personne a vraiment l'espoir, hein, de renouer avec vous et d'avoir vraiment une relation stable, de prendre soin de vous à nouveau, etc. Mais cette fois-ci, de le faire vraiment. Donc, ouais, vous voyez, il est capable de venir. C'est quelqu'un qui est capable de venir, regardez, par amour. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, carrément, ici, son cœur, en fait, va le pousser à se mettre en action. Hein. Le ou la pousser à se mettre en action pour venir ici, clairement, vers vous. Hein. Elle va le faire vraiment avec vraiment un grand cœur, là, un cœur ouvert, bien comme il faut, pour vraiment, j'entends vraiment pour vous convaincre que vraiment il ou elle est sincère, il ou elle est sérieux, etc., qu'il n'est pas comme avant. Ouais, j'entends vraiment ça. J'ai l'impression que, ah ouais, grosse dispute. C'est marrant parce que j'ai petite et grosse dispute ici. Hein. Pourquoi on me parle de ça? Voir les guérisons avec abondance, ouais. Donc là, effectivement, il risque d'y avoir une grosse et une petite dispute, hein, les deux, sur le fait de se rencontrer. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous allez vous rencontrer, on a la guérison et l'abondance, donc c'est quand même étrange. C'est quand même étrange ici. Ah, ouais, reine de coupe, hein. Ici, on a le cœur qui... Bon, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments là que vous avez pour une personne, ça c'est clair. Vous allez retirer le masque. C'est comme si vous allez retirer votre masque. Vous allez avoir aussi un déclic au niveau de votre cœur. Vous allez vous dire, ouais, mais en fait, cette personne, je suis sûre que j'aime cette personne-là. Et là, on a un roi de denier à l'envers qui sera complètement déstabilisé et qui aura effectivement un rêve brisé puisque ça ne sera pas... bah forcément, il y en aura un des deux ou une des deux qui n'aura pas ce qu'elle veut avec vous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais c'est étrange hein, parce qu'ici, avec le tarot, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui va faire tout ça et qu'à la fin, vous allez tomber dans ses bras. J'ai l'impression, mais ça peut être l'autre aussi. Après, ça dépend. Voilà. En fait, ça va vraiment dépendre de vous, mais j'ai l'impression comme si vous êtes sûr que, au début, vous êtes sûr que c'est cette personne qui est dans votre cœur, et puis après, c'est comme si il va y avoir un changement, et vous allez dire, ok, d'accord, en fait, je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours, donc je. Voilà. Vous enlevez le masque, en fait. C'est comme si vous étiez dans le déni. Que cette personne, vous n'allez plus l'aimer parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées ou voilà. C'est ça qui crée la lenteur de l'attraction. Voyez? Ça crée la lenteur de l'attraction entre vous et cette personne parce que bah voilà, parce que vous n'êtes pas encore guéri. Il y a eu beaucoup de disputes avec cette personne, grosses et petites disputes. Surtout sur le fait de se voir. Donc peut-être que cette personne à chaque fois, elle disait oui, on va se voir ou oui, je vais venir puis elle venait pas.
Il y a peut-être eu quelque chose comme ça aussi qui s'est passé. Et là, bah, elle va vraiment le faire. Et là, ça va apporter vraiment une guérison et de l'abondance parce que il y aura un grand changement. Ouais, l'impression de se connaître depuis toujours. Donc là, voyez, regardez, l'impression de se connaître depuis toujours et vitesse. Donc pour moi ici, clairement, dès que vous allez voir que cette personne, elle va vraiment tout faire, ça va vous très très rapidement, vous allez prendre la direction qu'il faut prendre, quoi. Avec la bonne personne, effectivement, ici. Voilà. Réparation, reconstruction. Ah ouais, c'est clair. Et là, on a le travail. Responsabilité. Là, on voit que vous avez un travail et quelque chose de responsable, hein, ici, ouais. Donc, soit vous êtes votre propre patron, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a une responsabilité qui va vous amener vers le succès au niveau de votre travail, de votre projet. Et on a le choix. Voyez, en fait, le choix que vous allez faire sera un choix, bien sûr, hein, que vous allez assumer. J'ai l'impression que ça va aussi débloquer quelque chose au niveau de votre travail ou de votre projet. Dans le côté positif, bien sûr, tout va s'accélérer, en fait. J'ai l'impression que vraiment tout va s'accélérer parce que vous allez vraiment aller vers la bonne direction ici. Vous allez vraiment aller vers la bonne direction. Hein. À ce moment-là, vous irez vers la bonne direction, en fait. Voilà, parce que vous allez savoir la vérité sur la personne fausse. Donc, en fait, vous allez vraiment comprendre qui est la bonne et qui est la fausse. En fait, vous voyez, il y a quelqu'un entre les deux personnes là. Il y en a une des deux qui est fausse. Il y en a une des deux qui est fausse ici. Invitation, début de relation. Voilà. Blessure. Bah écoutez, pour moi, il va y avoir effectivement, hein, encore une fois, ce côté, on va se voir, ce qui va apporter un début de relation entre vous et donc cet ex, ou cette, en tout cas, voilà, cette personne. Et j'ai l'impression qu'au départ, vous allez plus vous parler comme des amis, etc., par rapport à vos blessures que vous avez eues, par rapport au fait que il ou elle a été très néfaste avec vous, que vous avez pris de la distance par rapport à lui ou elle parce que il y a eu trop de mensonges, et que là, bah voilà quoi, et que là, bah, vous avez peur que sa demande concrète et sérieuse soit une demande qui ne soit pas sérieuse, justement. Voilà. Que ce soit pas sérieux, que voilà, que ce soit toujours j'entends infidèle comme avant. Qu'avant, par exemple, c'est quelqu'un qui peut-être avant vous faisait des demandes concrètes, hein, déjà, de base, mais il tenait jamais ses promesses. Vous voyez, quelqu'un qui fait des promesses mais qui ne les tient jamais. C'était une personne comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous prouver, vraiment par des actes et tout, hein, que ce n'est plus du tout la même personne qu'elle était avant. Et c'est pour ça qu'apprendre à la sérénité, vous voyez, sur l'infidélité. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en floraison ici. Et on parle bien de la tierce personne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a été manipulé au niveau de la sexualité, qui maintenant retrouve le repos. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est tombé dans des formes d'addiction très perverses, en fait. Qui s'est fait très manipuler, etc. Et qui maintenant a trouvé le repos, a trouvé les solutions pour s'en sortir, pour vraiment se sortir de tout ça. Et voyez, on parle, j'ai la tierce personne, en fait j'ai la même carte que tout à l'heure, donc j'ai vraiment l'impression, les belles âmes, que vous allez revenir en fait avec l'autre personne, votre ex, votre vraiment vrai ex qui est dans votre cœur, entre guillemets, depuis peut-être des années, voilà, et vous avez peut-être été dans le déni, entre guillemets, sur le fait que, voilà, vous êtes dit, ok, lui ou elle, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, ça ne sert même plus à rien, que j'ai même un tout petit espoir. Et là, en fait, bah, ça va réveiller beaucoup de choses en vous, parce que cette personne, elle ne va pas laisser tomber, elle sera complètement différente de ce qu'elle était avant. Donc forcément, bah voilà quoi. C'est sûr que là. Bon, bah
Bah écoutez, en tout cas, je souhaite de tout cœur que vous trouverez le bonheur. C'est tout ce qui est plus important que vous trouvez le bonheur. On va voir maintenant un petit message d'amour et de lumière. Le cadeau de l'amour et de la lumière, vous voyez ? C'est ça, en fait, je pense que vous allez vraiment recevoir le cadeau de l'amour et de la lumière. Et ce cadeau, c'est cette ouverture de cœur, hein, ce déclic au niveau du cœur qui va être réalisé grâce à votre patience. Vous voyez, la patience est sa propre récompense. Donc là, pour moi, vous avez fait vraiment preuve de beaucoup de patience. Et du coup, il y aura la récompense. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et accueillez l'aventure dans votre vie. Ouais, bah là je pense que c'est clair, hein. Ici vous allez accueillir en tout cas cette aventure qui va se présenter à vous. Jésus dit alors, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et on va voir un message avec le Whisper of Love, hein. Je l'ai pris avec moi. Je l'ai pris avec, donc on va voir quelques messages aussi, niveau sentimental avec l'oracle. Ce week-end, l'amour dépasse toutes les situations. Bon bah voilà, voyez, nouvel amour, donc là ouais c'est ça, et puis passer du temps ensemble, c'est ça en fait. Ici il va y avoir comme un renouveau au niveau donc de cet amour, de ce lien. Il va y avoir un renouveau ici. Parce que vraiment, on vous parle d'amour qui dépasse tout. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme si vraiment vous allez revenir au véritable amour, en fait, quelque part. Parce que vous allez vraiment comprendre que l'amour dépasse tout et que vous pouvez vraiment... avec l'amour, on peut tout dépasser, en fait. On peut tout, comment dire, je pense que vous avez compris. Voilà, vous pouvez tout dépasser, hein. Et faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc là, je pense que vous aurez aussi à faire quelque chose pour l'autre personne. Je pense que l'autre personne, par exemple, quand vous aurez fait le choix, vous n'allez pas la laisser comme ça. Je pense que vous allez, vous allez faire quelque chose quand même de correct. Vous allez faire les choses correctement. Et je pense aussi que vous allez beaucoup... c'est comme si vous allez vous ouvrir encore plus, même peut-être aux autres. Où là, je vois la nature, les animaux. C'est comme si vraiment, il y a une part de vous qui était comme fermée. Puis d'un coup, il y a tout qui s'ouvre en fait grâce à ça. Et là, vous voyez, passer du moment, des moments ensemble. Hein, donc, on vous dit bien depuis le début que effectivement, il va y avoir une rencontre qui va apporter une guérison. Hein. Hein, depuis le début, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Et là, en deux de deck, faire connaissance. Vous voyez, en fait, vous allez apprendre à vous connaître, mais une autre fois, comme un nouvel amour, en fait. Vous allez apprendre à vous connaître de nouveau, vous et cette personne. Voilà. Bah écoutez, belles âmes, je suis quand même contente pour vous, hein, même si, bon, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, parce que vu que je voyais qu'il y avait ce côté déni, tout ça, au début, donc forcément, peut-être que vous ne vous attendez pas du tout à cela, quoi, vous voyez. Mais là, voilà, c'est bien parce que là, on voit que les choses vont vraiment évoluer. J'espère que... En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que même sans le micro, vous m'avez bien entendu, en tout cas pendant ce tirage. Hein. Donc voilà, les belles âmes, en tout cas, prenez soin de vous. Encore merci du fond du cœur de m'avoir suivi. J'espère vraiment que vous m'avez entendu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse à la fin de cette vidéo, une petite vidéo, une très courte vidéo pour que vous puissiez recevoir les énergies du sanctuaire, enfin de Lourdes, de Maman Marie. Voilà, que vous puissiez tout simplement recevoir les belles énergies, la protection aussi divine
Et puis que vous soyez guidés, hein, et comme je vous ai dit, hein, je vous ai mis aussi une veine vraiment pour toute la communauté, pour que tout ce qui est bloqué dans votre vie puisse être débloqué avec l'aide de maman Marie. Voilà, parce que c'est ma croyance. Après, bien sûr, hein, chacun sa croyance, évidemment. Le principal, que l'on respecte chacun les croyances des autres. Et voilà, en tout cas, oui, on a miracle et bénédiction, hein, c'est ce que vous allez recevoir. Voilà. Je vous fais de gros bisous, merci encore. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous voulez bien sûr rejoindre la chaîne. Alors, vraiment, merci beaucoup aussi à Yvon et à tous les autres membres. Vraiment, merci infiniment d'avoir rejoint ma chaîne. Merci d'être là. C'est très gentil parce que voilà, vous avez maintenant, hein, ça fait pas très longtemps. Qu'il y a cela sur la chaîne, sur mes deux chaînes d'ailleurs, hein, parce que ma deuxième chaîne c'est Marie-Ange et Archange d'Amour, c'est ma première chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, où je vous ai montré en vidéo également la grande améthyste avec l'agate autour qui est disponible à moins 33% avec la livraison offerte qui est toujours là. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir. C'est la dernière vidéo que j'ai réalisée dans mon autre chaîne, hein, Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc voilà, vous avez les guidances intemporelles, sentimentales intemporelles qui sont là-bas. Et donc vous pouvez, comme je vous disais, rejoindre maintenant pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligé évidemment. Mais voilà, si vous souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne ou alors vous avez aussi une autre option uniquement dans cette chaîne-ci pour les vidéos pour membres que je ferai de temps en temps. Voilà, hein, parce que c'est important de... que j'arrive à faire d'abord les vidéos, bien sûr, qui sont sur mes chaînes, hein, mais de temps en temps, je ferai aussi les guidances pour les membres. Donc voilà, merci beaucoup, vraiment infiniment. C'est très très gentil. Merci bien sûr aussi pour les abonnements. Merci beaucoup de vous abonner. Merci aux nouveaux et aux anciens et à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Et merci bien sûr aussi pour vos likes. Hein. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la guidance. Et puis à vous abonner. Voilà. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne également. Si peut-être vous ne la connaissez pas, on ne sait jamais. Puisque c'est ma première chaîne. Donc on est déjà 94 000, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis à vous abonner aussi. Voilà. Ça me ferait plaisir de vous voir aussi dans l'autre chaîne, évidemment. Voilà. Et sachez que bientôt, je ferai un autre concours. Donc voilà, hein, pour vous remercier avec le nouveau stock qui va arriver, je ferai un concours pour justement offrir un oracle. Et je pense que ça sera l'oracle La Rose de Maman Marie que j'offrirai de nouveau parce que je sais qu'il vous plaît aussi beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore. Prenez soin de vous, les belles âmes. Hein, et puis, bien sûr, vous pouvez déjà hein, réserver les oracles. Voilà, bisous à tous. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous.